Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs sur YouTube. C'est encore Jean-Grégory Bisquet qui pote une nouvelle vidéo Saba ou qui parle de macOS Catalina. Est-ce qu'on suppose upgrade? Est-ce qu'on pas suppose upgrade? Nous parlons, selon description machine ou en, selon ça ou même réglé, ou qu'on a besoin upgrade ou bien pas upgrade. En aller, pour nous connaître qui version ordinateur nous avons utilisé, nous cliquons sur About This Mac. Ou alors dans Mac OS Catalina. Ou après le marquer Mac OS Catalina, ça c'est version Mac qui va utiliser en version 10.15.1 parce que version 10.14.6 c'est Mojave ou bien Mojave, ça va dépendre de gens qui vont dire là. Alors, qui ça qui gagne? Mac OS Catalina n'est pas supporté 64 bits. Ça veut dire. Ça veut dire que il y a une série d'applications qui ont été achetées. Développeur a été créé pour le marché sur ordinateur 32 bits et même là où on lance une application ou bien on installe Mojave sur ordinateur Mac ou elle de 64 bits, pas inquiéto, c'est plus fort application yo c'est 32 bits que yo yé. C'est comme ça a été toujours yé depuis bien longtemps. Alors Apple dit non, il va pas rouler sur 32 bits encore, la upgrade à 64 bits. Qui problème ça vient poser? Problème ça vient poser si développeur n'a pas fait un upgrade sur application qui ont acheté un, par exemple ou utiliser Word ou utiliser un programme pour caméra ou bien utiliser un programme pour tablette ou alors tablette ça si pas un driver pour lui, si pas un pilote pour lui pour 64 bits, il pas lancer. Si vous avez un imprimante qui 32 bits application driver AI, il pas 64 bits. Alors qui ça veut dire? Ça veut dire que ou pas qu'à utiliser imprimante ça encore sous Mac OS Catalina. M'pas capable stresser plus que ça pour me dire non, pas installer Mac OS Catalina si ou gagne application qui roule seulement 32 bits. Comment connaissez application roule 32 bits ou bien s'il capable roule 64 bits? C'est très facile. Ou aller dans System Report. Ou aller dans software ou cliquer sur software ou cliquer dans application automatiquement que vous cliquez dans application il va lister toute application qui roule 64 bits mais puisque vous avez installé macOS Catalina la ba ou seulement application qui gagne 64 bits alors en nous pour exemple YouTube 4K YouTube to MP3. Ça sont convertis sur lié. Li dit que version programme ça c'est 3.8. Li dit location c'est dans application que lié et puis même programme là. Et puis li dit kind. Kind là c'est type. Qui type de sous qui version la poule? Est-ce que c'est 32 bits ou bien est-ce que c'est 64 bits? Là li important. Si ou est majorité application yo roule 32 bits, yo pas roule 64 bits. Pas update Mac en Catalina. En nous prenons exemple une autre application. Nous prenons exemple une autre application très rapidement. En nous dit ou gain Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ou garder dans kind ou 64 bits. Pas update Mac Catalina. Peu importe logiciel que vous utilisez hein, ou c'est 64 bits que li roule et c'est 32 bits li roule. Ou pas qu'à upgrade pour Catalina parce que Catalina seulement il prend en compte logiciel, caméra, imprimante, tablette, souris, clavier qui gagne driver 64 bits solide. Il pas prend 32 bits. Ils font gros erreur. M'acheter une tablette graphique, mon update ordinateur Catalina parce que oui, en pile moun t'a parlé de Catalina, il est vraiment belle, il est vraiment intéressant, il est vraiment rapide. Oui, il est vraiment belle, il est vraiment intéressant, il est vraiment rapide. Nèg yo font très bel travail. Graphique là vraiment l'huile, vraiment bon bagaille. Mais me prend en compte mon imprimante, mon tablette graphique qui pas prend en compte 32 giga yo. Qui ça qui vient rive m installer installer driver installé normalement installation complète lancer tablette graphique m'ba jeune
pas j'ai une correspondance. Là me prend plume là, ça c'est plume tablette graphique là. Fait dessin, li tracé, même pas j'ai une pressure, pin pressure, sensibilité en bas j'ai sur écran. Là me dit me prend imprimer un fichier dans imprimante moi, me pas j'ai une imprimante. Installer driver, driver dit me installer, lancer imprimante, me pas j'ai une imprimante. Tablette graphique moi pas monter. Imprimante va monter, caméra m'a pas marché. M'bren un chou. Kounye, qui ça m'oblige faire? M'oblige à le faire downgrade tout Mojave. Et c'est ça m'a pral faire sur tout ordinateur m'la tout entier parce que moi installé Mojave sur un disque de 120 giga, m'a senti li un petit peu lent. M'a retourné à 60, m'a retourné à 32 bits pour m'capable lancer application tablette graphique moyen, pour m'capable lancer application. Et imprimante moi avec caméra parce que bagay sa yo vraiment essentiel pour moi. Faut que moi utiliser. Oui, moi j'ai belle, mais si programme moi besoin utiliser, moi pas capable d'utiliser, c'est laver mes souliers à terre. C'est ça moi te gain pour me dire sous macOS Catalina, s'il vous plaît, si nous gain application 32 bits seulement supporté, pas installer, pas update. Et si toutefois ou update, nous conseillons nous faire un downgrade. Grand pile vidéo sur net là pour faire downgrade. Si toutefois nous t'aimer même faire une vidéo comment pour nous downgrade, m'a fait vidéo hein, mais mandez-li dans commentaire. Si nous t'aimer même faire vidéo 32 bits comment downgrade sorti dans Catalina pour aller dans Mojave, fais-moi connaître dans commentaire en bas. Merci, continue regarder vidéo dans playlist. N'abtenons l'autre fois pour l'autre sujet. Bye bye.